don de création en action. Jésus a fait pousser les pieds à notre sœur, Dorcas. Nous avons vu wow. comment le pied s'élevait, comment le pied s'étirait. J'ai vu. Ce miracle s'est produit pendant les 7 jours de réveil spirituel, du 5 au 11 juin 2023 à Douala, dont le thème principal est « Vivre pleinement la vie de l'Esprit » pour des expériences vivantes et surnaturelles. Voici ce que Dieu vous dit. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, ne crains point. Voici ton Dieu est là pour te guérir. À travers les enseignements reçus durant tous les 7 jours, le Saint-Esprit a forgé en eux de nouveaux types de chrétiens, qui connaissent et affirment leur identité étant désormais des hommes et des femmes de foi, ne pouvant trembler devant aucune situation de la vie qui pourrait les ébranler. C'est là que nous avons réellement compris l'authenticité des Écritures dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est en réalité l'ensemble des paroles de Christ enseignées tout au long du programme, qui a produit ce grand miracle dont notre sœur est bénéficiaire, ainsi que plusieurs d'autres qu'a opéré le Saint-Esprit, pendant la mission. Avec Hébreux 2, versets 3 à 4, qui nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Après 7 ans de souffrance, suite à un grave accident de route en 2016, la sœur Dorcas se retrouve avec la jambe droite plus petite que sa jambe gauche, à cause des multiples opérations chirurgicales qu'elle a subies, de suite de son accident, et qui valent plusieurs millions de francs CFA. Elle avait des douleurs atroces, orchestrées par son handicap. Pour remédier à tout ceci, elle et sa famille s'apprêtaient donc à dépenser à nouveau près de 2 millions de francs CFA pour une 4e opération de ses pieds, dans les mêmes périodes de notre arrivée au Cameroun. Cependant, l'opération a été faite seulement en quelques minutes, par la prière au nom de Jésus-Christ. Celui que tu dois regarder, c'est Jésus. Et tu dois déclarer une parole de foi aujourd'hui en toi. Si seulement je peux entendre parler de lui, et si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Pendant le service de guérison et de miracles, organisé le samedi 10 juin dans le cadre de notre mission à Douala, le Saint-Esprit a dirigé vers elle son serviteur le pasteur Apollos, qui, par une prière d'autorité, a juste ordonné à l'infirmité de la quitter. Une force surnaturelle te visite. Une force surnaturelle te visite. Il donne vie à tes membres. Il donne vie à tes os. 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 Une puissance. Une puissance pénètre tes os, pénètre tes os, pénètre tes os, pénètre tes os et les reconstitue. Il les reconstruit et tout ce qui était déjà mort en toi revient à la vie. Revient à la vie maintenant. 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 Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Je te commande de partir. Tu n'as pas de pouvoir sur elle. Tu n'as pas de pouvoir sur elle. Infimité dans la chair, handicap dans la chair. Allez, va-t'en, 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 va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Sors d'elle maintenant. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Allez, libère-la. Libère ses pieds. Libère sa jambe. Tu libères sa jambe maintenant. Tu libères sa jambe maintenant. Tu libères sa jambe. Tu libères sa jambe. Maintenant, 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 maintenant. Il y a une chirurgie qui se passe. Une chirurgie s'opère maintenant. Maintenant, il opère une chirurgie. Il reconstitue les os. Les os qui ont été brisés. Les os qui ont été cassés. Il les reconstruit maintenant. Il les reconstruit maintenant. Par la charge divine. Par la charge divine. Il les reconstitue en toi. Il les reconstruit en toi. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras. Tu ne tâtonneras plus. Tu marcheras. Parce que les choses anciennes sont passées. Par le nom de Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors la nouveauté de vie te visite. C'est ainsi que devant toute l'assemblée, et sous l'onction du Saint-Esprit, les pieds de la sœur se sont totalement redressés et sont revenus au même niveau. J'ai ressenti une très forte force au niveau de mes cuisses. Le Seigneur m'a enfin délivré. Jésus, tu fais Dieu. Jésus, tu fais Dieu. Jésus, tu fais Dieu.
Elle peut maintenant marcher librement, sans les babouches de protection, prescrites par les médecins. Je suis le pasteur Apollos du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Et nous sommes dans notre mission ici au Cameroun, et précisément à Douala. Donc j'ai rendu visite à la famille de maman Hulda, à qui le Seigneur a fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Et nous voulons vraiment témoigner de ce que le Saint-Esprit a fait, de ce que le Seigneur a fait. Et c'était lors de notre programme dénommé la foi qui provoque le miracle, où on a prêcher sur la foi, sur les éléments de la foi, comment Jésus a guéri les malades, comment Jésus a opéré. C'était un service de guérison et de miracle. Donc pendant la prière, le Seigneur m'avait dirigé vers la sœur Dorcas en question, parce que j'ai prié pour tous les bien-aimés, pour tous ceux qui étaient malades. Et c'est en priant que le Seigneur a opéré le miracle, parce que ses pieds étaient brisés autrefois cause d'un accident, mais le Seigneur a relevé ses pieds. Maintenant, comme elle-même, elle est là, elle connaît en profondeur l'histoire, comme la femme samaritaine qui a dépensé tout son argent. Dans Marc 5, on nous dit qu'elle a dépensé, elle a vidé tout son argent chez les médecins. Elle n'a pas eu de secours. Et c'est en Jésus qu'elle a eu de secours. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Et c'est ce qui s'est passé avec notre sœur Dorcas et toute sa famille. Ils ont dépensé assez de choses. Mais comme elle-même, elle va témoigner depuis l'histoire, depuis le jour où cela a commencé. Je précise que c'est 7 ans passés dans la souffrance, mais Jésus l'a libéré. C'était le samedi, c'était le 10 juin, très bien, le 10 juin. Alléluia. Donc, Sœur Dorcas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous allez nous donner votre témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très très contente que ce soit encore de parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Afin que toi qui entends ce message, que tu saches que le Seigneur est puissant. Que le Jésus qui a donné la vue à Bartimée, qui a ressuscité les morts, est encore vivant. En 2016, j'ai eu un accident de moto. Une moto, j'étais même pas sur la moto. Une moto est montée sur mes pieds. Ça a brisé mes pieds. Tu voulais traverser la voie, c'est ça? Non, j'étais au bord de la route. Okay. J'attendais le taxi. D'accord. Oui, et une moto sans fin est venue et ça m'a renversé, ça a brisé mes deux cuisses. Et après ça, j'ai eu opération sur opération. La première opération m'a pratiquement pris 8 mois sur place, couchée à la même position. Et j'avais des douleurs atroces tout le temps, mais par la grâce de Dieu. Et vous avez dépensé combien pour la première opération? Environ 1 million et demi. Wow. 1 million et demi. 1 million et demi pour l'opération, mais avec les médicaments, tout ce que ça a pu faire 3 millions pour la première opération. 3 millions. Oui. Oui. Ensuite, après ça, j'ai fait 8 mois sur place. Après, il y a encore une autre opération. Ça n'allait pas toujours. Une troisième opération. Et on s'apprêtait à faire une quatrième opération. Wow. Mais le Seigneur opérait le miracle. Et pendant la semaine de... Enfin, l'homme de Dieu est venu du Bénin et il y a eu une semaine. Vivre pleinement la vie de l'esprit pour les expériences vivantes et surnaturelles. Et pendant le séminaire, on a beaucoup été enseigné et le Seigneur a fait grâce. Le samedi, pendant que le Seigneur priait, pendant que l'homme de Dieu priait, j'étais concentrée à écouter ce que le Seigneur va faire pour moi. Il a prononcé les mots qui étaient dans ma tête et il a dit que le Seigneur fasse l'opération. Et il y a une très forte force qui est descendue. Enfin, moi, j'ai ressenti que c'est descendu sur mes cuisses et j'ai senti les chatouillements. Et ensuite, mon pied s'est soulevé et quand le pied s'est soulevé, ça s'est tiré et ça s'est redéposé au sol. Et l'autre pied aussi a commencé. Et quand j'ai déposé mon pied pour la première fois, je ne croyais. Enfin, ma foi n'était pas trop grande, mais la voix m'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ensuite, j'ai posé le pied. Je me suis appuyée encore pour voir s'il y a la douleur. La voix m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ensuite, je me suis assise. J'ai d'abord voulu crier pour dire à tout le monde, mais j'ai su qu'il n'y a pas de désordre à l'église. J'ai attendu quand on devait donner le témoignage. Et depuis ce moment, j'ai mon nouveau pied. Je suis très contente.
je bénis le Seigneur et je vous encourage à rechercher vraiment Dieu, car celui qui recherche le trouve. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je veux te poser des questions parce que tu as été très rapide dans ta présentation. Okay. Avant que je ne vienne au Cameroun et que notre mission, nous ne venions ici au Cameroun, j'ai appris que vous prévoyez faire une autre opération. Mm-hmm. C'est une quatrième opération, c'est ça, non? Oui. Une quatrième opération. Oui, c'est ça. Et pour cette opération, cela était prévu pour quelle date de l'année? Je crois quand même avant décembre, il n'y avait pas encore de date parce qu'on attendait le matériel pour opérer. Mm-hmm. On attendait le matériel qu'on avait. Le matériel, c'est quoi? C'est quel matériel? Ce sont des brioches. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, des fers. Des fers. Mm-hmm. Des fers qui sont comme des clous, des formes de longs clous qu'on mm-hmm. devait mettre pour mobiliser l'os normalement. Mm-hmm. D'accord. Donc, ces fers-là n'ont pas été trouvés. Oui. Fait n'ont pas encore été trouvés. Sinon, tu devais faire une troisième, une quatrième opération. Mm-hmm. Et vous devez dépenser vraiment encore assez d'argent avant que nous ne puissions venir. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mm-hmm. beaucoup d'énergie, tout mm-hmm. ça. Mm-hmm. Voilà. Et qu'est-ce que ça a engendré sur tête de pied, l'accident et les opérations? Qu'est-ce que ça a engendré sur le pied? Mes pieds n'étaient pas droits. Mm-hmm. Il y avait un pied plus court que l'autre. Et c'était quel pied? Le pied gauche. Le pied. C'est droit. C'est le pied de là-bas, non? Ah, le pied droit. Voilà, c'est le pied droit. Le pied droit. Ça m'a étonné. Le pied droit. Voilà, très bien. Ok. Mm-hmm. Le pied droit. Il était plus court que le pied gauche. Mm-hmm. Parce que mes pieds, tout être humain avait les pieds à la même taille. Mm-hmm. Le pied était plus court que ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant la première opération, la première ou la deuxième a raté. Donc il a mis une broche plus longue. Donc ce clou-là était plus long que l'autre. Et ça m'a déformé. L'opération avait raté. Et ça causait assez de douleur. Assez de douleur. J'avais mal tout le temps parce qu'il fallait se courber. Ça me donnait les douleurs à la hanche et les douleurs au genou. J'avais ça tout le temps. Il fallait prendre des anti-inflammatoires. Avant de se sentir mieux. Oui. Et maintenant, est-ce que tu as encore les douleurs? Non, depuis que le Seigneur a opéré le miracle, je n'ai plus de douleurs. Et est-ce que maintenant tu peux marcher sur tes pieds? Oui. Les pieds sont en quelle position maintenant? Quelle forme maintenant? Tous les pieds sont droits et je peux marcher sur les pieds. Donc le pied droit qui était un peu plus petit s'est allongé par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Et tes pieds sont au même niveau maintenant. Oui, c'est ça. Alléluia, gloire à Jésus. Ça montre que nous avons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu véritable qui, en réalité, peut redresser les hommes. C'est ce Dieu qui a envoyé l'Esprit dans l'Esprit de vie au milieu des ossements desséchés d'Israël lorsqu'il disait à son serviteur Ézéchiel, parle aux eaux et que l'Esprit quitte les quatre vents pour pouvoir donner la chair, donner la vie à ces eaux. Et cela s'est produit. Nous croyons toujours au Seigneur, à ce Jésus qui opère de grandes choses, qui opère des miracles. L'histoire de nos sœurs est une histoire vraiment étonnante parce que moi-même, quand je suis venu d'abord dans l'église, j'ai remarqué qu'elle tâtonne quand elle marche et elle ne marche pas droitement. Mais je ne savais pas qu'il y avait un pied qui était beaucoup plus restreint qu'un autre pied, qui était beaucoup plus petit qu'un autre pied. Je savais qu'elle a mal parce qu'à le voir, on ressent. On peut voir cela se manifester visiblement. Donc, dans la prière, le Saint-Esprit m'avait communiqué de prier d'ordonner pour son opération, pour qu'il opère ses pieds. Et vous pouvez voir même dans la vidéo, lorsque nous étions en train de prier pour elle, ses pieds, il y avait une force, une puissance qui a saisi le pied qui avait le problème. Et ce pied bougeait, ce pied était en train de bouger. Et c'est là que nous avons vu que notre Seigneur est le Dieu qui se manifeste dans la puissance et par sa puissance. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez voir comment la sœur est contente, est dans la joie et toute la famille bénit le Seigneur, glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous avons même sa grande sœur Esther qui est ici parce que nous sommes chez elle, nous sommes à la maison. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la guérison que le Seigneur ou au miracle que le Seigneur a accordé à votre sœur Dorcas? En fait,
je veux te dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma soeur. Parce qu'à chaque étape de tout ce qui s'est passé là, de l'accident à sa guérison, j'ai toujours été présente. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, pendant que nous étions en train de rentrer, en fait, on était toujours avec maman, on était à trois. On traversait la route au même moment. À un moment donné, on a juste vu une voiture qui était en train de tenir comme ça. J'ai dit que merde, la route, si elle est dangereuse, on s'est engagé à traverser, on s'est retrouvé au sol. Moi-même, j'étais au sol le jour là. Je voulais même bien dormir, c'est maman qui me venait pour me dire que tu dors ou je dis que hein, là je me suis rendu compte qu'il était au bouton. Je vois aussi Dorcas qui est de son côté, elle voit comment ma joue était, souvent j'avais subi, ma joue était grosse comme ça. Elle demande de lui, Fanny, qu'est-ce qui est arrivé à ta joue? Je dis que moi je la regarde, ses pieds de joue, on nous a transportés, on a les deux puisses ici comme ça, et puis on se fait un plan que mais les gens font souvent les accidents, même un pied, toi jusqu'aux deux puisses, tu as fait quoi à qui? Que autant de malheur, pour que tu puisses avoir autant de malheur comme ça. C'est donc là qu'on a d'abord fait une première opération. Le chirurgien qui l'avait opéré, l'opération n'avait pas du tout marché, il avait opéré les deux cuisses au même moment. On avait opéré, je pense, cette fois-là, c'est parce qu'on avait mis les coups. On n'avait pas mis les coups la première fois. Les pieds étaient toujours tordus. C'était hacké, c'est pour ça que moi je n'ai même pas gardé. Et puis il était acquis. Après ça, on est maintenant arrivé à un autre médecin maintenant. Là maintenant, c'était sa spécialité. Un chirurgien spécialiste. Un sujet spécialiste, on a dit comment là. Un traumatologue. Un traumatologue. Oui. Il a d'abord opéré un pied. Là, il a cette fois-ci, il va opérer les pieds en deux faces. Il a d'abord opéré un pied. Le premier jour, le deuxième jour, il va opérer le deuxième pied. Mais jusque-là, c'était vraiment pas toujours ça. Elle avait un pied. Ce qui était comme à questionner un marchand où les enfants demandaient que tata, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était vraiment à qui comme ça, ça ne m'avait pas donné, c'était raté. Après cette opération-là, maintenant, on a maintenant rencontré un autre chirurgien qui l'a opéré. Donc vous êtes parti de chirurgien, de médecin spécialiste en spécialiste. Oui, le troisième maintenant, il y avait un pied de, que le deuxième a fait, qui était quand même un peu trois, et un autre qui était vraiment tordu. C'est le pied qui était tordu là, que lui là. Régresser, ça qui a essayé de régresser. Il a régressé le pied. Maintenant, on pouvait dire qu'il y a maintenant le pied là qu'il fallait encore opérer avant maintenant de chercher à arriver le fer dans l'autre pied que lui a aussi opéré. Maintenant, non, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, son frère aussi a été spécialisé en traumatologie. Parce que lui-même, tout à l'heure, nous a tellement perturbé parce qu'il était à l'époque, il était médecin généraliste. Il a dit que moi, je vais aller faire ses spécialités. Donc le frère de notre soeur, votre, c'est son grand frère, son petit frère, était tellement choqué par la condition de sa soeur et comme il est médecin généraliste, il allait se spécialiser dans le domaine pour venir opérer sa soeur. Oui, parce que c'était à trop d'opérations. C'est donc là que il a commencé sa formation, c'était la deuxième année, comme s'il est venu, il a voyé comment il marchait. Il m'a dit que non. Il a donc proposé de mettre, de porter les chaussures compensées. Okay. Comme porte là maintenant. Donc c'est lui qui l'a proposé de porter les chaussures compensées. Oui, parce qu'à la longue, si elle continue à porter, à ne pas porter ça, elle aura des problèmes avec sa hanche. Elle va commencer à marcher tordue. Déformation. C'est les chaussures que notre soeur mettait avant d'être guérie. Quand elle disait qu'il y avait un pied, le pied droit, qui était plus petit, c'était pas un mensonge. Même les frères, les soeurs de l'église connaissent cela et. Même tous ceux qui la connaissent savent qu'elle porte deux chaussures qui n'ont pas... Bon, une paire de chaussures dont l'une des paires n'a pas la même taille que l'autre à cause de son accident, de l'opération qui avait raté. Bon, c'est exactement ça. Bon, moi, quand je disais qu'elle avait mal, je pensais que c'était à passer. C'est quand j'ai eu à voir ces radios, ces dernières radios, que j'ai dit vraiment qu'il faut qu'on tout fasse parce que sur les deux radios, l'une des radios... On va montrer les radios. Attends, sur ces deux radios, je ne sais pas trop, je ne suis pas radiologue, mais ça m'a marqué pourquoi, parce que quand on regardait au niveau des fers, ici là par exemple, le pied qu'on doit encore opérer, vous-même vous voyez comment l'os, parce que ce qui est droit là comme ça, quand on a ça comme ça, il y a ici là, c'est ce qu'on appelle le fer ici, tellement il a souffert que moi-même j'apprends déjà à lire les radios. Voici le fer ici, là, comme ça, qui monte là. Vous voyez ce qui est droit là, dans le milieu. Ça, c'est le fer. Ce qui est à côté, un peu droit là, c'est l'os. C'est l'os. Vous voyez le début de l'os, comment on voit ça. Ça, c'est l'os qui est grand.
Oui. Et c'est le fer au milieu de l'os. Vous voyez comment l'os s'est déplacé. Exactement. Et elle vivait avec ça, comme ça, avec cette douleur. Mm-hmm. C'était ça sa vie. Mm. Vous voyez que ce côté-ci, on a mis deux fers, deux clous. Ici, c'est un seul. Ça veut dire qu'il devait avoir un deuxième pour pouvoir soutenir, pour que l'os ne puisse pas se déplacer. Donc, il y a une erreur chirurgicale. Il était obligé de vivre avec ça comme ça. Donc, il fallait donc faire la dernière opération pour pouvoir régresser cet os-ci. Enlever ce fer et remettre un autre. Qui va permettre qu'on puisse régresser l'os. Je vois. Donc, c'était à cause de cela que ses pieds étaient... Il y avait un pied qui était plus petit. C'est ça? C'était à cause de ça? Oui, c'était à cause de ça. D'accord. Oui, donc, le fait que ses pieds reviennent, c'est que le Seigneur a redressé ses pieds au-dedans d'elle et à opérer les os à l'intérieur. C'est ça. Waouh. Et quand j'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit que mais tu fais comment pour marcher avec une telle douleur? Parce que moi-même, j'ai suivi nos pieds. J'ai eu un accident, mais je n'arrivais même pas du tout à déplacer cette partie. Donc j'ai là que j'ai vu vraiment qu'elle vient de nous. Et quand elle se déshabille, parce que nous sommes dans la scène d'autrin, pour ne pas permettre à la femme de montrer ses dessous. Le Seigneur a réussi de telle sorte que ces deux qui sont déjà droits. Moi, j'ai eu la peine de voir, je suis quand même sa soeur. Les deux qui sont déjà. Alléluia! Gloire à Jésus! Jésus! Parce que c'était déjà incliné, même parce que quand tu la voyais avant avec les fers, les cuisses étaient, une cuisse était un peu tordue et l'autre était droite. Celle qu'il fallait opérer était tordue, l'autre était droite. Mais maintenant, le Seigneur a régressé les deux cuisses. Donc, quand vous voyez ces deux cuisses, les deux cuisses sont désormais droites. C'est trois. Ça, c'est étonnant pour la chair. La chair ne peut pas concevoir. Maman, vous étant infirmière, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est normal dans votre conception? Quelle est votre appréhension? En tant qu'infirmière, c'était l'inimaginable qu'un pied, qu'un os qui était cassé puisse être redressé du jour au lendemain. C'est avec la foi, avec les yeux spirituels, que je crois. Les sont venus. Hélène marche. Je suis tellement émerveillée. Par ce fait, parce qu'après 7 bonnes années de souffrance, enfin, elle peut porter aussi des chaussures normales. Amen. Il y avait d'abord le problème de ses yeux, elle était obligée d'avoir les verres. Maintenant, avec la porte, c'est fini. Amen. Elle voit normalement maintenant. Alléluia. Donc maintenant, il ne restait que ces pieds-là. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il continue à agir justement dans ma vie, dans ma famille. Pour que Dorcas soit celle-là qui a porté. Par son témoignage. L'Église Jésus revient dans les cœurs de chaque membre de ma famille. Amen. Parce que nous avons vu. Parce qu'on entend. Nous avons vu. Waouh. J'ai vu la vidéo, comment le pied se levait, comment le pied se tirait. J'ai vu. J'étais même à l'église, n'est pas que. Devant tout le monde. J'ai vu, j'étais là présente. Donc, je remercie Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il continue. Est-ce que la sœur peut se lever? Voilà. Il ne faut pas qu'on parle seulement pour que les incrédules vont dire à vous parler, vous avez fait un faux miracle. Saute. Voilà. Regardez la sœur. Regardez, la sœur saute maintenant. Sans les chaussures. Regardez. Maintenant, tu vas essayer de déposer les pieds pour qu'on puisse montrer ce que cela ressemblait. Voilà. Regardez comment était cette fille. C'est comme ça qu'elle marchait. Et pour marcher avec ça, il faut qu'elle t'attende. Maintenant, enlève les pieds et montre. Regardez ce que le Seigneur a fait. Ce Dieu est tellement puissant. Les pieds sont au même niveau. Waouh! Gloire à Jésus.
En tout cas, nous pouvons. Voilà, marche, marche, marche. Alléluia. 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 Est-ce que tu sens les douleurs? Non. Tu sens encore les douleurs? Non. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas dire plus que cela. Parce que depuis le samedi, le peuple de Dieu est vraiment dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Et le Seigneur a passé par cet événement, ce miracle, pour fortifier l'église. Et pour prouver non seulement à la famille, à la maman premièrement, à ses soeurs également, et à toute l'église, qui ne sont pas perdus et qui sont sur le droit chemin, qui sont dans la vérité. Et quand Jésus, lorsqu'il s'abandonne à lui, il se détourne des choses du monde et il se sanctifie et il aime le Seigneur, commence à servir le Seigneur, en Jésus il y a la guérison, en Jésus il y a tout. Ce Jésus qui a guéri dans l'ancien temps, qui a guéri au commencement et qui continue de faire, ce Jésus qui a fait de grandes choses que nous entendons parler, dont nous entendons parler, que nous voyons, qu'on nous enseigne dans la Bible, c'est ce Jésus même qui a redressé les eaux de nos sœurs. Et on peut dire que le Seigneur a rallongé ses pieds ou a fait pousser son pied et son pied est redevenu normal. C'est ce qui n'est pas concevable pour la chair, ce que les chirurgiens n'ont pas pu faire. Eux peuvent faire des erreurs parce qu'ils sont des hommes comme nous. Mais Jésus, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Et lorsqu'il intervient, son intervention chirurgicale est parfaite. Comment on peut imaginer Dieu qui voit à l'intérieur de ses os? Le clou n'a pas été appliqué, mais l'os a été redressé. Gloire à Jésus. Nous voyons ainsi s'accomplir sous nos yeux les paroles de notre Seigneur lorsqu'il dit dans Jean 14, versets 12 à 14, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis avec l'homme de Dieu, Junias, l'apôtre Junias de l'église Jésus revêt de Douala. Et avec notre sœur Tokas, qui est aussi une servante de Dieu ici à Jésus revêt de Douala. Et nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a opéré un grand miracle. Comme il nous dit dans sa parole, dans Marc 16, 17, il dit, celui qui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand nous sommes venus ici, le Seigneur nous a inspirés de travailler sur le thème qui est ceci. Vivre pleinement la vie de l'esprit pour des expériences vivantes et surnaturelles. Et le Seigneur est en train de nous amener à vivre des expériences vivantes et surnaturelles. Et il a opéré une grande expérience. Il a fait vivre une expérience vivante et surnaturelle à la sœur Dorcas. Et c'est pourquoi nous sommes là pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait. Sœur Dorcas, qu'est-ce que le Seigneur nous a fait? Je rappelle que c'est pendant le service de prière, de guérison, de délivrance et de restauration de ce matin que le Seigneur a opéré le miracle. Et amen. Vraiment, nous sommes contents. Donc, la sœur va témoigner de ce que le Seigneur a fait. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui. Je suis très contente ce soir parce que le Seigneur a opéré un miracle dans ma vie. Pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a demandé au Seigneur d'opérer, de faire l'opération dans mes pieds. Et pendant ce temps, mon pied, j'ai senti que mon pied se tirait et les chatouillements dans mon pied. Et ensuite, j'ai commencé à... Ensuite, quand j'ai reposé mon pied au sol, j'étais d'abord étonnée du fait que je n'ai pas de douleur. Mais j'ai suivi la voix du Seigneur qui dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ensuite, je me suis retournée, j'ai ressenti qu'il n'y avait plus de douleur. Et j'ai compris que le Seigneur m'avait guéri. Et je vais rendre gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et tes pieds étaient comment? Tes pieds étaient comment? Comment est-ce que tes pieds étaient? Il y avait un pied qui était plus long que l'autre. Un pied était plus long et un autre était plus court. Oui, un pied était plus long que l'autre et l'autre était plus court. Wow. Et maintenant, les deux pieds se tiennent. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez les chaussures qu'elle portait? Est-ce que vous avez les chaussures? Apportez-nous les chaussures qu'elle mettait. Et nous allons montrer cela, ce que Jésus est en train de faire ici à Douala. Nous sommes
ici à Jésus, reviens-toi là. Le Seigneur est vivant. Le Jésus que nous servons est vivant. Et aujourd'hui matin, le Seigneur nous a inspirés de prier pour les malades, de prier pour ses enfants. Parce que nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle si nous ne manifestons pas le surnaturel de Dieu. Si nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu. Et ce surnaturel de Dieu est en train de se manifester. Nous savons que Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite les morts. Mais ici, aujourd'hui, nous avons vu le Jésus qui fait pousser les pieds. Les pieds qui sont un peu plus petites que les autres. Le Seigneur Jésus les a poussés. Ses pieds, en réalité, à cause d'un accident, parce qu'elle a eu un événement douloureux depuis 7 ans, c'est ça. C'est en 2016. Ses pieds sont comme ça depuis 2016. Elle a les pieds qui n'ont pas la même taille à cause d'un accident depuis 2016. Et elle va d'opération en opération. On a mis des choses dans son corps, dans des fers pour garder son corps. Et elle marche en tâtonnant. Mais aujourd'hui, le Seigneur a stabilisé les pieds. Elle n'a même plus besoin de porter les chaussures que les docteurs, les médecins lui ont prescrites pour que les pieds soient au même taille. Maintenant, elle marche bien, elle marche parce que le Seigneur a reconstruit ses pieds. Alléluia, voici. Voici les chaussures. Les chaussures qu'elle portait. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. C'est seulement ça qu'elle doit porter. Elle n'a plus rien d'autre à porter que ça. Elle ne doit pas changer parce qu'il faut qu'elle porte ceci. Donc il y a un qui est plus est bien travaillé pour que les pieds puissent être à la même taille. Vous voyez que ceci c'est normal et l'autre c'est bien garni de gomme. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Je sais que ses parents sont là. Sa maman et sa soeur, sa maman Oulda et sa soeur Esther sont là. Et je vais les inviter à venir témoigner. Et venez, vous allez témoigner de ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, elle ne porte plus les chaussures. Regardez, regardez. Regardez. Mais elle est à plat avec des tapettes. Et les pieds sont au même niveau. Waouh! Nous avons un grand Dieu. Oui, maman, maman Oulda. Maman, quelle est l'impression de votre âme? Quels sont les sentiments de votre cœur après avoir vu ce que le Seigneur a fait à votre fille? Je suis vraiment émerveillée. Oui. Parce que Dieu a fait dans la vie de approche-toi. Oui. Parce que ça fait 7 ans qu'elle est dans cette situation. Mm-hmm. Et aujourd'hui, sans antibiotiques, sans chirurgie, oui. On est dans l'émerveillement du Seigneur. Amen. Pour ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Amen. Et sœur Esther. C'est pas ce que le Seigneur nous montre qu'on va de dimension en dimension. Amen. On était en train de s'apprêter. On était en train de s'apprêter pour qu'on puisse faire une dernière opération pour redresser son pied. Maintenant, on a plus besoin de ça. Jésus a fait l'opération. L'opération qui devait être faite. Jésus l'a fait. Amen. Maman, venez, nous allons glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Le Seigneur montre par là qu'il est le Dieu vivant. Quand nous parlons que nous adorons un Dieu vivant, un Dieu unique, un Dieu qui fait les choses à sa gloire, il nous prouve combien de fois il est vivant. Jésus n'est pas loin de toi pour manifester le miracle dans ta vie. Mais il faut seulement que tu crois. Et ce matin, nous avons semé dans l'enseignement. J'ai semé en eux par la parole de Dieu la foi qui active le miraculeux, la foi qui active les merveilles de Dieu, qui active le surnaturel. Et nous avons vu cela en application. Et la sœur n'est pas la seule personne qui a vécu des choses extraordinaires. Il y a beaucoup qui, dont les témoignages arrivent encore. Et beaucoup qui ont aussi témoigné de la touche du Seigneur. Nous avons même une sœur qui avait des problèmes d'odorat. Elle ne pouvait pas sentir l'odeur. Quand elle prépare même, il faut que la nourriture bouillonne assez avant qu'elle le sente. Mais aujourd'hui, quand elle a reçu l'imposition des mains, elle a commencé à sentir même les choses sensibles qui sont très loin. Même les odeurs des fumées, même l'odeur des gens, elle commençait à sentir pourquoi le Seigneur a restauré son odorat. Et la sœur Dorcas, ce n'est pas la première fois qu'elle est en train de vivre des choses extraordinaires comme ça avec le Seigneur. Et avant même que je ne puisse venir et que nous ne venions au Cameroun, elle avait aussi des problèmes d'yeux avec les yeux. Et elle devait mettre d'abord la lunette avant de bien lire.
Et le Seigneur avait inspiré son serviteur Junias de lui demander d'enlever la lunette et de croire par la foi que le Seigneur va lui permettre de voir à nouveau et de bien vivre, que ça soit de loin ou même de près. Mais aujourd'hui, elle lit très bien parce que le Seigneur l'a libérée. Elle lit, elle peut lire tout ce qui est loin, ce que même celui qui a les yeux normaux ne peut pas lire. C'est Jésus qui fait ça, c'est le Seigneur lui-même qui fait ça. Si tu veux être libéré, crois en Jésus, manifeste la foi. Amen. Le miracle n'a pas besoin de fétiche. Nous n'avons pas fait de fétiche ici. Nous n'avons même pas de fétiche. C'est au nom de Jésus que Jésus a redressé ses pieds. Je suis tellement ébloui par ce que le Seigneur a fait. Et cela montre que le Seigneur est dans les missions que nous avons organisées. Le Seigneur est dans cette mission. Et il ne fait qu'accomplir tout ce dont nous avons été enseignés. Ce sur quoi nous avons été enseignés depuis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, aujourd'hui, le samedi. Il a confirmé tous les enseignements. Et il a porter la puissance de la résurrection dans la vie de cette famille. C'est une joie pour nous. Et nous savons que ce n'est que le début pour vraiment libérer toute la famille pour la gloire de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit à moi. Ça se casse, masse, on va voir, masse. Alléluia. Ama, regarde, prends les pieds, prends ses pieds. Celui qui vit à moi, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, sois béni. Le temps du miracle est toujours d'actualité pour ceux qui ont la foi, car le Jésus qui a guéri les malades entre-temps, en Israël, n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, puisqu'il est prêt à secourir ceux qui se tournent vers lui, comme le dit l'Épître aux Hébreux 7, le 25e verset, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous vivons des expériences vivantes et surnaturelles par la vie de l'Esprit que nous menons. Je le déclare sur toi qui lis ce message, que le miracle te localise maintenant, au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles, Amen. A signé, le groupe international d'évangélisation, Jésus revient.